Ah, il reste encore des matchs pour se qualifier. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Les joueurs de la Juventus viennent de donner le coup d'envoi de ce match. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Bah, ou en diamant, comme disaient les Anglais. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. Alexandro, Pjanic, Douglas Costa, Modric qui met le pied sur le ballon. Là, il est à la récupération au milieu de terrain. Un vilaine passe directement à l'adversaire. Cristiano Ronaldo, la bonne passe en profondeur, bien vu. Oh, la bonne frappe qui passe juste à côté. Et le Real qui a donc confié le bon touche à Zidane. Et ce choix qui a été payant tout de suite avec deux victoires en Champions League et une première victoire quelques mois seulement après sa nomination. Deux victoires contre l'Atlético, puis une victoire contre la Juve à Cardiff. Marcelo, Kroos, Benzema, Karim Benzema qui s'est révélé à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, avant de filer au Real. Oui, c'est là que ses talents de buteur lui ont permis d'être sacré champion de France 4 ans. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. Cristiano Ronaldo qui déçoit rarement, vraiment. Ouais, aujourd'hui, il n'a plus sa capacité d'accélération d'antan, mais il a gardé tout son sens du but, surtout en Ligue des Champions. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. Isco. Isco, c'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne. Ah, le bon ballon de Benzema. Allez, il peut la mettre, Isco. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrière-réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. On va peut-être assister à une contre-attaque. Et le contre n'ira pas plus loin, l'adversaire récupère. Karim Benzema. Oh, c'était dangereux ça, mais la défense est bien intervenue. Le Real Madrid qui s'attend à un match compliqué, hein, Pierre. Compliqué, je ne sais pas, mais l'adversaire a les moyens de gêner le Real, c'est évident. En tout cas, c'est une belle affiche. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Gareth Bale. Attention. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. La voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Toni Kroos. Sergio Ramos. Sergio Ramos, un défenseur qui sait aussi marquer des buts hein, de temps en temps. Ouais, c'est vrai, il a un super jeu de tête, notamment sur les coups de pied arrêtés. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Oh, il est passé. Chiellini, qui débarrasse, long dégagement. Et donc, sortie de but. Paolo Dybala, Cristiano Ronaldo, ça c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu, attention il n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas perdre le ballon, Isco, interception, allez qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Toni Kroos. Pjanic, qui ne trouvera personne si ce n'est un adversaire. Il choisit la frappe. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Et la pression sur la défense de la Juve avec ce corner. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, le centre à venir.
Modric. Ouais, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Et le ballon récupéré finalement par Raphaël Varane. Toni Kroos. La passe est interceptée. Ouais, la bonne intention. Et la Juve tenue en échec pour le moment. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il va ramener le jeu dans l'axe. Ouais, le ballon qui est perdu. Modric. Gareth Bale. Isco. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah, le bon ballon de Benzema. Hors jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Alexandro. Pjanic. Cristiano. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Mandzukic. Cristiano Ronaldo. Le gardien sauvé par son poteau. Il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre a décidé autrement. Non, pas sûr que ça continue longtemps comme ça. Attention. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Aïe, c'est juste au-dessus. Ah ouais, c'est un chouïa trop haut, ce ballon piqué. Tout est dans le dosage et sur ce coup-là, il en a mis un peu trop. Douglas Costa dans l'espace, bien vu. Paolo Dybala. Mandzukic, la frappe. Le gardien qui répond au présent sur cette action. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts... Les joueurs du Real Madrid qui vont jouer le premier ballon de cette seconde période. Gareth Bale. Benzema. Asensio. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oui, bien joué. Très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Luka Modric. Oh, le bon ballon pour Modric. Ça passe assez loin. Une occasion de prendre l'avantage encore une fois manqué. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Modric. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Marcelo. Marco Asensio. Casemiro. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il va pouvoir centrer. Il repousse le danger loin devant. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Allez, un petit mot sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo. Une grosse. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Ouais, il repousse, ça joue. Le gardien qui va pouvoir se dégager. L'équipe qui s'en sort bien avec cet arrêt, du coup tout reste à faire. Casemiro, Luka Modric, Karim Benzema. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Modric à bout portant. Attention au poteau, c'est pas fini. La position de hors-jeu pour Karim Benzema. Ça se joue à pas grand-chose là, mais s'il se crée d'autres occasions dans ce genre, ils finiront par marquer. Cristiano, c'est pour Mandzukic. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand-chose. On a atteint l'heure de jeu. Le ballon de Gareth Bale qui ne passe pas. Mandzukic, la frappe.
Bon jaillissement. Hors-jeu, l'arbitre assistant a levé son drapeau. Incontestable. Carvajal. Modric. Karim Benzema. Modric, balle au pied. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, allez, l'occasion peut-être de mener. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Changement pour la Juventus donc. C'est Juan Cuadrado qui cède sa place à Sami Khedira, qui s'était révélé en Afrique du Sud en 2010. Il avait été transféré au Real dans la foulée. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. La Juventus de Turin. Prend avec l'arbitre, il y avait bien faute. Un changement pour le Real Madrid. Marco Asensio qui laisse sa place à Lucas Vázquez, qui réussit souvent ses entrées en cours de match. Il reste exactement 20 minutes à jouer. C'est finalement un ballon perdu. Benzema. Pjanic. Paulo Dybala. Oh oui, encore une bonne passe. Modric. Lucas Vázquez. Interception. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Karim Benzema. Oh oui, il y est. Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ah, et puis la patience, c'est pas mon fort, mais c'est celle du buteur. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Enfin, c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Cristiano Ronaldo. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Ah, il a eu un doute, hein, le gardien. Il a préféré emmener ce ballon en corner plutôt que prendre le moindre risque. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. On va peut-être assister à une contre-attaque. Modric. Gareth Bale. Oh là là, c'était juste et dangereux. Douglas Costa. Supporter de la Juve qui aimerait bien que leur équipe égalise. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Luka Modric. Ah oui, la bonne passe. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour coller au score. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Varane, ah, elle est bien anticipée. Modric. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand chose. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ces cinq dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Ouais, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah non, un dégagement qui ne profite pas. Mandzukic. Allez, il peut y aller tout seul. Ronaldo. Le gardien qui repousse. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout. Un arrêt qui permet à cette équipe de rester en tête. C'est pas facile, mais elle va tout faire pour tenir jusqu'au bout. Attention, peut-être l'occasion de placer un coup. Ah, la passe en profondeur, attention. La contre-offensive toujours. Ah, c'est une faute.
Haute coup franc. Je crois que ça valait quand même un rouge, hein, cette action. Attention à ce coup franc avec un but maintenant. L'issue du match ne ferait plus aucun doute. Gareth Bale. Le mur qui renvoie le ballon. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Un petit peu pressé sur ce ballon. Ouais, le Real qui récupère la balle. Oula, situation pas facile là pour lui. Il va pouvoir frapper peut-être. Casemiro. Oh, ça va être dedans. Il devrait être un petit peu plus tranquille encore avec ce but. Les joueurs de la Juventus viennent de donner le coup d'envoi de ce match. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Cristiano Ronaldo, la bonne passe en profondeur, bien vu. Oh, la bonne frappe qui passe juste à côté. Pjanic, qui ne trouvera personne, si ce n'est un adversaire. Choisit la frappe. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Pas beau. Aïe, 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 c'est juste au-dessus. Ah ouais, c'est un chouïa trop haut, ce ballon piqué. Tout est dans le dosage et sur ce coup-là, il en a mis un peu trop. Très bonne sortie du gardien, Kev. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, le tir. Allez, l'occasion peut-être de mener. Interception. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Karim Benzema. Oh, il y est. Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ah, et puis la patience, c'est pas mon fort, mais c'est celle du buteur. Il va pouvoir frapper peut-être. Casemiro. Oh, ça va être dedans. Il devrait être un petit peu plus tranquille encore avec ce but.